Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'horoscope de la Vierge pour 2023. Donc j'ai parlé des trois décans. Donc le premier décan est le natif né du 23 août au 2 septembre. Donc en moyenne, selon les années, ça peut être un jour avant, un jour après. Les deuxièmes décans sont les natifs nés du 3 septembre au 12 septembre. Et les troisièmes décans sont les natifs nés du 13 septembre au 22 septembre. Alors c'est un horoscope solaire, hein, je tiens à le rappeler, donc ça veut dire que c'est basé qu'en fonction de la position du soleil dans votre signe. On ne prend pas en compte les autres planètes car on n'a pas les paramètres, hein. Il faut votre date, heure et lieu de naissance pour qu'on puisse faire un horoscope personnalisé. Là c'est un horoscope solaire ou général, voilà, donc ça ne remplace pas une consultation avec un astrologue classique, quoi, si vous voulez. Ça donne une petite idée des tendances énergétiques de l'année. Donc j'ai commencé par donc le premier décan. Alors une année un peu, peut-être pour les premiers décans, un peu légèrement compliquée, c'est-à-dire qu'il y a un quinconce à Pluton en Verseau dès le 23 mars au 11 juin. Donc là vous pouvez avoir des petites choses à revoir, des petites remises en question. C'est mineur, hein, c'est pas quelque chose de très important, mais c'est vrai que voilà, il peut y avoir une période de doute, de remise en question. Alors ça, après voilà, tout dépend dans quel domaine ces planètes vont tomber dans les maisons, dans vos maisons en fait, selon votre thème. Donc ça peut être très bien dans le domaine financier, professionnel, affectif, relationnel ou autre. Voilà, donc à voir après selon votre thème, hein, bien sûr. Donc c'est un aspect qui va durer, on va dire, une partie de l'année, hein, mars à juin, mais après ça va revenir l'année prochaine, hein, comme Pluton va revenir en Capricorne et il va revenir en Verseau, on va dire, fin d'année, début d'année prochaine, 2024. Donc forcément, vous allez ressentir à nouveau peut-être ces petites remises en question à faire dans votre vie. Au même moment, donc début mars, il y aura le 7 mars 2023, Saturne qui va arriver en Poissons, donc il va former une opposition à votre soleil natal. Donc là, ça va en revanche vous donner peut-être quand même des blocages. Alors, est-ce que vous aurez des choses à supporter, des restrictions, des frustrations par rapport à dans certains domaines? Donc ça peut être affectif, encore une fois, des ruptures amoureuses, pourquoi pas. Ça peut être, une fin de relation, dans le pire des cas, mais sinon ça peut être des choses à supporter, des choses assez difficiles. Faut porter un peu le poids, tout le poids de sur ses épaules de... Alors peut-être trop de boulot, peut-être une frustration par rapport à la hiérarchie aussi, hein, ou alors à l'homme, tout ce qu'on appelle l'homme, le père, le soleil, hein, donc à voir pour vous mesdames s'il n'y a pas des choses difficiles, et pour les messieurs, bah forcément ça peut être une période un peu de frustration, on ne va pas établir les choses comme on voudrait. Alors ensuite, vous aurez des choses un peu meilleures, donc à partir du mois de mai, donc il y aura votre soleil qui va faire un trigone à Jupiter en taureau du 17 mai au 5 juillet. Il va avancer, après il rétrograde, et il reviendra donc à nouveau du 17 novembre au 31 décembre, donc en trigone. Donc là, c'est plutôt positif là, pour la croissance, pour se sentir plus épanoui, mieux dans ses baskets, dans sa peau, on peut entreprendre des choses, on peut avoir des opportunités, de la croissance, alors notamment financière, matérielle, c'est en taureau, mais pas que, ça peut être des bienfaits, du plaisir, joueur de la vie, tout simplement, des opportunités, hein, voilà, il peut y avoir une période peut-être bien peut-être niveau professionnel ou affectif éventuellement, il faut voir après le reste ou thème en question de votre thème. Vous aurez ensuite les aspects à Mars, donc un sextile de Mars en Cancer du 26 mars au 14 avril. Donc là, c'est positif pour l'action, pour agir, pour faire plein de choses. Si vous voulez, dans plein de domaines, vous pouvez agir en fonction de votre ressenti en Cancer, de vos émotions. Donc vous allez être assez en alerte et peut-être jouer pas trop le côté raison et mental. Vous allez un peu suivre aussi votre cœur, vos émotions, on va dire. Donc c'est plutôt, voilà, il peut y avoir des actions faites par exemple dans la famille ou autre, dans le foyer, qui peuvent être positifs, donc il peut y avoir pas mal de choses positives à ce moment-là. Alors ensuite, il y aura votre soleil conjoint Mars en Vierge du 11 juillet au 27 juillet. Donc là,
selon les aspects que vous aurez, vous pourrez avoir plus ou moins de bonnes opportunités. Donc, c'est agir là en fonction de votre signe, donc vierge, hein, avec pragmatisme, raison et logique, discernement. Donc, vous allez vraiment vous être plus organisé, vous allez agir vraiment avec circonspection, beaucoup de raison. Donc, c'est bien pour organiser un travail, pour abattre un certain nombre de tâches à effectuer, des obligations de la vie quotidienne, dans votre travail quotidien avec les conjoints, etc. Donc là, il y a une bonne période là au mois de. Alors, c'est pour peut-être mettre en place aussi organiser des vacances, par exemple, hein, c'est pendant la période estivale. Hein. Donc pourquoi pas? Il peut y avoir une bonne phase là, à ce moment-là. Alors en revanche, si l'aspect en question, parce que c'est une conjonction, peut recevoir des mauvais aspects, vous pouvez être un peu plus, comment dire, l'énergie est moins bien contrôlée. Donc là, il peut y avoir plus d'agressivité, d'irritabilité. Vous pouvez vous énerver pour le moindre petit détail, la petite chose qui vous agace, des manies ou des trucs qui vous perturbent. Donc ça peut être un peu perturbant, voilà, selon vos aspects que vous rencontrerez dans votre thème. Ensuite, vous aurez le Soleil qui va faire un beau sextile à Mars en Scorpion du 13 octobre au 27 octobre. Donc là, l'énergie sera puissante, elle sera plus intense. Vous pourrez mettre au service de choses plus psychologiques, des énergies qui vont peut-être vous aider pour aller au fond des choses, pour révéler des choses cachées, secrets ou peut-être pour voilà, vous dépenser dans certains domaines. Alors ça peut être dans la sexualité, ça peut en Scorpion, mais ça peut être très bien dans d'autres aspects de vie, hein. Ça peut être bien pour agir à la profondeur, terminer un travail peut-être important ou voilà ou avoir une relation où on peut avoir des actions pour révéler voilà des choses importantes par rapport à l'amour, l'affectivité. Donc à voir encore une fois dans quelle maison tomberont ces planètes. Ensuite, vous aurez votre Soleil carré à Mars en Sagittaire du 25 novembre au 8 décembre. Alors là, en revanche, signe en carré, donc là, vous risquez de mal contrôler votre énergie, donc vous sentir beaucoup plus en alerte, voire un peu agacé, énervé. Il peut y avoir des disputes pour des conceptions, des idéaux, pour des questions pourquoi pas d'éthique, de morale, de voyage aussi. Donc attention dans les périodes de peut-être s'il y a des déplacements, de faire un peu attention, parce que éventuellement ça peut donner, alors dans le pire des cas, des accidents, mais pas forcément. On peut être énervé sur la route, voilà, ça peut être des choses comme ça. Donc faire attention à son énergie à ce moment-là, donc peut-être faire du sport, ça peut être conseillé éventuellement. Alors enfin, donc vous aurez la conjonction de votre Soleil à votre Lune noire en Vierge du 5 octobre 2023 au 2 janvier 2024. Donc là, ça peut combler un manque, hein, la sublimation avec la Lune noire, une zone d'ombre sur votre ego. Donc il peut y avoir quelque chose par rapport à les détails de la vie quotidienne, à la vie peut-être aussi médicale, enfin le côté santé qui peut être sublimé d'une telle ou telle manière. Donc plutôt bonne, hein, normalement une conjonction, si elle reçoit des mauvais aspects, par contre vous pouvez vous sentir un peu plus maniaque ou obsessionnel, avoir des tocs, hein, comme on dit, des genres de manies, des choses comme ça, des rituels qui peuvent être un peu obsessionnels et qui peuvent vous brider, on va dire. Donc il y a besoin de ranger, ou peut-être toujours mettre des choses à la place, ou il peut manquer des choses, vous avez besoin de peut-être. Alors, grâce à une vie quotidienne bien organisée, vous peut-être voilà, nettoyer des choses qui ont besoin dans votre vie, soit dans votre habitat ou autre. Hein. Il y a des choses qui ont besoin peut-être d'être réorganisées, rangées, refaites. Donc, ça peut être bien pour aussi pour des examens, par exemple, de santé, pour voir s'il n'y a pas d'accro, de petits problèmes. Hein, à voir à ce moment-là, peut-être un petit bilan, ça peut être pas mal éventuellement. Ensuite, deuxième décan. Alors, vous aurez plutôt une bonne année avec un beau trigone à Uranus en taureau toute l'année. Donc là, vous allez vivre vraiment, on va dire, une période d'année où vous allez vous sentir. Alors, c'était déjà un peu le cas, on va dire, en 2022. Mais vous êtes toujours avec ce beau trigone où il y a l'indépendance, la liberté qui ressort. Hein, vous pouvez vous sentir beaucoup plus libre, original dans votre façon d'être, d'agir. Donc vous concevez la vie un peu de manière éclectique, différente de la norme. Vous pouvez
sortir un peu de votre zone de confort, entre guillemets. Bon, ça reste en taureau, mais peut changer quelque chose, des nouvelles choses qui peuvent arriver dans votre vie quotidienne, qui vous plaît bien, hein, que ça se passe bien, donc vous vous sentez beaucoup plus un peu différente de la monotonie, on va dire, ou de la routine habituelle. Ensuite, vous aurez le trigone à Jupiter en taureau du 6 juillet au 7 novembre. Donc là, encore une fois, bonne croissance, expansion, beaucoup d'opportunités, peut-être de la croissance matérielle, financière, des gains, éventuellement, ça peut être au niveau affectif ou professionnel ou relationnel, selon votre thème. Donc c'est une bonne période là pour vous sentir dans vos baskets et faire un peu ce qui vous plaît, et vous vous sentirez bien, épanoui, joyeux, et ça vous... ça, voilà, ça, beaucoup d'opportunités, de chances à saisir à ce moment-là. Ensuite, le sextile à Mars en Cancer du 15 avril au 3 mai vous donne une bonne énergie pour agir en fonction de vos émotions, par rapport à ressenti. Ça peut être dans le cadre de la famille, du foyer. Donc il y a une bonne énergie là qui circule, donc à utiliser, voilà, vraiment à saisir les opportunités pour agir en ce sens. La conjonction ensuite à Mars en Vierge dans votre signe le 27 juillet au 12 août peut en revanche, alors soit si elle est bien inspectée, vous donner aussi une bonne énergie pour être dans le discernement, le rangement, être plus organisé, pratique et vraiment agir efficacement, par exemple, plus au travail, dans votre vie quotidienne, mais ça peut être aussi dans vos relations. Il peut y avoir des choses qui se mettent en place de manière pratique, hein, c'est la période de l'été, donc peut-être une organisation d'un voyage éventuellement, encore une fois. Si c'est mal inspecté, attention, il peut y avoir quand même des tensions, donc il peut y avoir des risques aussi un peu d'énervement, de disputes dans le pire des cas, hein, pour des détails, souvent des broutilles, hein, qui peuvent un peu nous énerver, nous agacer, donc à voir à ce moment-là dans votre thème. Le Soleil sextile à Mars en Scorpion du 27 octobre au 11 novembre vous donne une bonne énergie pour aller au fond des choses, pour la sexualité, pour des questions peut-être financières. Donc on peut agir pour dépenser une forte énergie qui sont assez intenses. Donc là, le sport peut être bien aussi à ce moment-là. On peut aussi faire un travail psychologique. Il peut y avoir vraiment une forte énergie pour révéler certaines choses, souvent occultées, ou tout ce qu'on travaille un peu dans le secret peut être assez, ou caché peut être assez positif à ce moment-là. Et enfin, le carré à Mars en Sagittaire du 8 décembre au 23 décembre, en revanche, vous donne vraiment un côté un peu plus tendu, ou vous sentez un peu plus énervé, crispé. Vous pouvez vraiment agir inconséquemment, donc un peu peut-être trop optimiste en Sagittaire. On peut agir avec trop de confiance, plus qu'à l'accoutumée, avec moins de raison. Et vous pouvez, bah, du coup, rentrer peut-être en conflit pour des questions de morale, d'éthique, d'idées, d'idéal surtout. Et attention au voyage, éventuellement au déplacement. En Sagittaire, c'est le signe du déplacement. Donc on peut, dans le pire des cas, avoir des petits accrocs, des accidents, mais sinon on peut être un peu agacé ou énervé dans le cadre d'un voyage, par exemple, mais même autrement, hein, ça peut être dans le domaine. Alors, ça peut être bien pour le sport, hein, dépenser un trop-plein d'énergie, mais faire attention quand même à une énergie mal contrôlée qui peut donner lieu à des disputes et de l'agressivité. Et enfin, le troisième décan, donc vous aurez un beau trigone de Pluton en Capricorne du 1er janvier au 22 mars, donc les 3 premiers mois de l'année sont plutôt bien par rapport à cet aspect, parce qu'on verra qu'il y a quelque chose qui contredit derrière. Donc pour l'instant, vous avez une bonne phase de. Vous terminez peut-être une phase de transition, vous terminez un changement, il y a des transformations qui doivent se terminer dans le bon sens. Peut-être la fin d'une période où vous devez établir, affiner ou peaufiner certaines choses. Ça peut être dans le travail, dans votre destinée, enfin votre vie. De manière générale, vous pouvez avoir eu des changements positifs ces derniers temps, éventuellement. Et là, donc, ça se termine là, cette année. Alors, ça va peut-être faire un petit mouvement en 2024 à nouveau. Hein, Pluton va revenir en Capricorne une dernière fois avant de s'en aller. Donc, un trigone encore positif à ce moment-là. Mais en même temps, vous aurez l'opposition de Neptune en poisson toute l'année. Donc attention, parce que malgré de peaufiner et de terminer des bons changements, il y a toujours en fond de toile aussi un côté où on peut être dans l'illusion. Par rapport à ce qu'on fait, il peut y avoir des déceptions, trop d'idéal. On peut mal évaluer
nos espoirs, nos attentes. Donc attention des illusions, de pas trop porter de fausses images sur un homme, par exemple, pour une femme, ou chez un homme, de pas trop s'enthousiasmer trop dans le rêve, parce qu'on peut être trop dans le rêve et on est moins dans la réalité. Alors c'est vrai qu'en tant que vierge, on est plus concret, donc on est moins porté peut-être de manière générale par un risque de sombrer dans la folie ou quoi, mais il y a ce côté, on peut être un peu dans le brouillard aussi, on peut peut-être, on ne sait plus trop où se situer, hein, souvent par rapport à une figure soit parentale, soit masculine, hein, avec le soleil. Et donc avoir votre relation avec les hommes éventuellement à revoir. Ensuite, il y aura le quinconce à Saturne en Verseau, donc du 1er janvier au 6 mars. Donc ça aussi, ça n'aide pas trop avec un léger blocage. Donc ça peut être lié, hein, un blocage, un petit blocage pour se sentir pleinement dans les rails, d'être bien ancré dans ce qu'on veut faire, dans certains projets qui peuvent être posés, soit des petits blocages en relation aux hommes qui peuvent un peu, qui est pas forcément comme on l'espérait. Alors après, c'est pas grave, mais voilà, il peut y avoir des légers contretemps, on va dire. En revanche, vous aurez le trigone à Uranus en taureau du 29 mai au 10 décembre. Donc là, c'est positif vraiment pour l'indépendance, pour vivre plus en liberté, plus en. Voilà, faites des choses comme vous avez envie, vous sentir libre dans la mesure du possible, bien sûr, parce qu'avec la période actuelle, ce n'est pas forcément évident. Mais voilà, vous pouvez vous sentir à faire peut-être des choses qui ne sont pas comme à l'accoutumée, hein, sortir un peu des habitudes de vie, de la routine, et vivre un peu avec des choses qui peuvent nous tomber dessus de manière originale et positive, et vous allez vous sentir voilà, un peu différent de la norme à ce moment-là. Donc là, au beau jour, là, jusqu'à la fin de l'année, ça c'est positif peut-être pour peut-être une sorte de renouveau, des opportunités à saisir qui sort un peu du cadre. Alors saisissez-les, hein, ne vous braquez pas, ça va être plutôt positif pour vous. Et enfin, les aspects à Mars, où donc vous aurez votre Soleil sextile à Mars en Cancer du 3 mai au 20 mai. Alors là, bonne énergie pour agir en fonction de vos émotions, peut-être dans le cadre familial, du foyer, vous pouvez vraiment faire des choses comme vous le sentez. Donc voilà, c'est positif, hein, cette énergie utilisée de manière positive. Ensuite, vous aurez la conjonction à Mars en Vierge du 12 août au 27 août pendant la période de l'été. Ou peut-être l'organisation à faire par rapport à un voyage, par rapport à des vacances. Ça peut être aussi peaufiner certains détails. Donc vous aurez à cœur de bien raisonner, de bien utiliser votre mental pour bien agir comme il faut. Hein, vous avez ce don d'organisation, de méthode, de côté pratique qui vous sied bien. Alors si c'est mal une conjonction mal inspectée, ce qui est possible dans votre thème, bah, vous risquez d'être par contre peut-être un peu agacé parfois par certains détails qui ne se font pas comme vous l'espérez, comme vous voudrez. Donc il peut y avoir de l'agacement, de l'énervement, voire des disputes avec soit le conjoint, soit quelqu'un d'autre, un collaborateur. Donc attention, parce qu'il y a des choses qui peuvent vous énerver peut-être un peu à ce moment-là. Donc à surveiller éventuellement cette période. Mais voilà, ça reste relatif. Ensuite, vous aurez le sextile à Mars en Scorpion du 11 novembre au 24 novembre. Donc là, c'est encore une fois, c'est positif pour aller en profondeur, agir de manière perspicace, profonde, puissante, avec intensité. Faites vraiment des choses qui peuvent, par exemple, vous aider sur le plan psychologique, une psychothérapie éventuellement, ou alors du sport, dépenser son énergie, c'est bien aussi, hein. Pour la sexualité, ça peut être bien. Voilà, après, il faut voir le reste du thème. Alors, ça peut tomber dans des maisons qui ont rapport avec les questions d'argent, de famille, de foyer, d'amour, éventuellement. Donc là, il faut voir encore une fois, en rapport avec votre thème, où se situe ce Mars en Scorpion, pour voir dans quel domaine de vie cela va vous impacter, en fait. Et enfin, vous avez le carré de Mars en Sagittaire du 23 décembre au 31 décembre. Alors là, attention, parce qu'encore une fois, énergie qui peut être mal contrôlée, donc sujet aux disputes, peut-être risque d'agressivité, plus qu'à l'accoutumée, on est un peu trop confiant, on veut agir avec trop d'enthousiasme et de confiance et un peu d'insouciance, voire donc vous aurez peut-être plus faire certaines choses que vous autorisez qu'à l'accoutumée, ça peut mal passer. Alors peut-être des conflits par rapport à des idéaux, des idées, des problèmes éthiques, moraux. Attention peut-être aux déplacements, voyages, où on peut avoir voilà, un peu des risques, un peu
des risques d'accident dans le pire des cas, mais voilà, sinon beaucoup d'énervement éventuellement. Donc surveillez cette période. Et enfin, Soleil sextile Lune noire en Cancer du 1er janvier au 8 janvier, donc c'est vraiment en début d'année, la première semaine. Ça vous aide, voilà, pour peut-être revoir des choses dans la famille, avoir une nostalgie du passé qui peut vous redonner du baume au cœur. Voilà, donc c'est une petite semaine où vous pouvez vous sentir combler une petite zone d'ombre. Voilà, peut-être c'est le fait de se retrouver en famille éventuellement, ou démarrer l'année avec plus d'enthousiasme et d'être entouré de ses proches. Alors, si c'est pas le cas, on peut vivre bien son chez-soi et se remémorer certaines choses. Alors, ça peut très bien tomber aussi dans d'autres domaines, hein, affectifs, ou des petits trucs, voilà, des petits détails qui va vous permettre de vous sentir un peu mieux. Voilà, donc j'ai terminé cet horoscope pour le signe de la Vierge pour 2023. Alors si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Vous pouvez me consulter, donc les détails sont à la fin de la vidéo et sous la vidéo en description. Voilà, donc pour un thème natal, prévisionnel ou autre, ce que vous voulez. Et quant à moi, bah, je vous dis à la prochaine vidéo pour le signe de la Balance. Je vous remercie. Portez-vous bien. Au revoir.